Nous sommes avec Stéphane Bogard. Stéphane Bogard, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, Stéphane Bogard. Ah non, c'est pas ça, c'est déjà dit. Alors, actuellement, je suis le directeur éditorial de Edge, responsable des produits. Ouais, on va dire ça. Gestion du personnel. Ouais, directeur, quoi. Directeur, oui, c'est ça. C'est adjoint du grand chef. Mais alors, Edge, c'est quoi ? Alors, Edge est une maison d'édition française qui propose des jeux spécialisés. Pourquoi spécialisés ? C'est parce que. Pour différencier des jeux comme Monopoly, Belote, jeux de cartes classiques que vous pouvez trouver un petit peu partout. Nous, on aborde des jeux qui sont, on va dire, un petit peu plus matures dans la réflexion et qui sont un peu moins connus du grand public. Mais d'après les dernières informations dont je dispose, on est la première société de production de jeux en France. En termes de nombre de produits, pas en termes de vente, mais en nombre de produits. Et donc, ouais, on est une maison d'édition. On crée, on traduit, on importe, on produit, on travaille pour d'autres maisons d'édition, on fait de la mise en page, de la maquette. Voilà, c'est tout ce qui touche au jeu en général. Alors, pas le jeu vidéo, même si on a certaines de nos applications qui sont. Qui fonctionne sur Internet. On a certains de nos partenaires qui travaillent sur le jeu vidéo. On a des jeux issus des jeux vidéo, mais la branche n'est pas encore développée. Ça va venir. On rêve. Comment vous vous êtes lancé dans le projet de Edge ? Alors, le projet de Edge, c'est Gilles Garnier, qui est le grand patron, qui en... Il y a très 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 longtemps de ça, on va remonter en 92-93, pour donner une idée, il y avait une société à Toulouse, un magasin et une société Univers Parallèle et Ludis International. Ludis et Univers Parallèle, c'est ceux qui ont apporté Magic en France, Magic the Gathering, le jeu de cartes que la plupart des personnes, je suppose, qui vous suivent doivent connaître. Et après, suite à différents mouvements, il y a la société Millennium, qui est une société de distribution qui a été créée par Gilles Garnier aussi, en même temps avec un de ses collaborateurs. L'idée, c'était d'amener en France des jeux qui se faisaient aux États-Unis et qui n'étaient pas distribués. Donc c'était vraiment de faire venir la culture, ce qu'on appelle nous, en termes de jeux, l'America Trash en France. Et à un moment donné, il s'est dit, bon, bah, pourquoi on ferait que de la distribution ? Pourquoi on proposerait pas de créer une maison d'édition ? Alors, il y a quelques jeux qui sont sous notre licence exclusive. Un des premiers qui a été fait, c'est Citadel, que beaucoup de personnes connaissent. Et puis après, l'idée, c'était de récupérer des jeux de ce format-là et de les importer en français. C'est-à-dire, on récupérait la licence, on en faisait une traduction, on le développait. Et c'est à ce moment-là que l'idée de Edge est sortie. Alors, pour clarifier très rapidement dans l'esprit des gens, des spécialistes, la société, c'est Ubik, UBIK, c'est tiré du roman. Mais Edge, c'est notre façade commerciale, quoi. Je veux dire, c'est la marque commerciale parce qu'on a des partenaires en Espagne qui, eux, n'aimaient pas l'idée de Ubik et qui ont repris Edge. Voilà, c'est juste pour avoir une identité qui soit plus vaste. Vous créez, vous aussi, vos propres jeux ? On a des jeux qui sont créés. Il y a des jeux Edge, pur Edge, qui sont dans le public, que les gens pensent qu'ils sont sous une autre licence, mais qui, en fait, sont nos jeux. On a des gens qui travaillent pour nous, il y a des créateurs. Il y a un jeu qui a été remis au goût du jour dans l'univers de Star Wars, qui est Guerre Froide. Donc, dans l'univers de Star Wars, c'est Star Wars Empire versus Rébellion. Il y a Deadwood, qui est un jeu qui se passe dans le western. Il y a Citadel. Il y en a quelques-uns. Bon, après, on va pas tous les citer, mais oui, c'est des jeux qui font le chemin inverse. Je dirais, ils partent de la France ou de l'Espagne, parce que voilà, il y a Edge Espagne aussi, et qui sont après exportés à l'étranger. Vous avez déjà réussi justement à exporter aux États-Unis ? Oui. Mais en fait, on est partenaire d'une société qui est assez connue là-bas. Qui a été racheté après par des Français, mais ça c'est du détail, qui est Fantasy Flight Game, et à l'intérieur de leur catalogue, on a donc des jeux français qui sont dans ces catalogues-là. C'est un deal, ça fait partie même maintenant presque d'une logique de réflexion quand nous on cherche des jeux. J'en parlerai cet après-midi dans la conférence sur la création des jeux. On réfléchit plus véritablement dans un marché franco-français.
on essaie de réfléchir un peu européen et même à l'international, c'est un peu plus compliqué parce que ça, c'est dans une logique autre. Mais oui, on a pas mal de jeux qui ont traversé l'Atlantique dans l'autre sens. Oui. Dans vos jeux, on retrouve souvent l'univers de Star Wars, donc notamment même là, dans votre magazine. Comment ça se fait ? C'est une question de présence et d'opportunité. Il faut savoir que... Alors, c'est pas pédant du tout ce que je veux dire, c'est une question de logique. C'est la richesse attire la richesse, je dirais. Donc notre catalogue est assez riche, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des licences qui sont assez connues. On a eu... Alors là, on parle de Star Wars parce que c'est vrai qu'il y a un revival de Star Wars, mais nous, on a par exemple une licence comme le Trône de Fer. Trône de Fer, on va dire, ah oui, vous avez surfé sur la vague, ce qui est faux. Si on regarde notre catalogue, on a déjà le Trône de Fer depuis des années et des années dans notre catalogue. Il se trouve que maintenant, on a des jeux qui sont sous le format HBO, c'est-à-dire avec les visuels de la série télévisée, mais nous, on avait produit du Trône de Fer bien avant. C'est pareil, on a des jeux sur le Seigneur des Anneaux. Alors les films ont popularisé la chose, mais... Pour les gens qui nous suivent depuis des années, on a le Seigneur des Anneaux. Donc à partir du moment où vous commencez à avoir des licences comme ça, Seigneur des Anneaux, Trône de Fer, Star Wars, bon après il y a eu, bon, on rentre pas dans les phénomènes financiers, mais il y a eu à un moment donné un de nos partenaires américains qui avait la possibilité, Fantasy Flight Games, qui est un des plus gros concepteurs de jeux aux États-Unis, de se rapprocher avant le rachat de Lucasfilm par Disney. C'est encore une histoire d'opportunité. Et donc, nous, on a été contactés par nos partenaires pour rentrer dans le process de création de jeux. Parce que on a un studio de layout qui fait ça proprement, enfin, qui fait des très très belles choses. Et donc, on a récupéré cette licence-là. Et au fur et à mesure, on récupère des licences parce que c'est... plus vous avez des licences à l'intérieur de votre catalogue, et c'est facile, vous regardez les éditeurs qui ont des licences et puis vous dites, je vais peut-être plutôt aller vers eux. Donc nous, au fur et à mesure, notre catalogue s'étoffe parce que les gens viennent vers nous. Alors bon, il y a des fois on refuse, mais quand on est face à Star Wars, bon, même si... C'est à la fois c'est dur de dire non, mais c'est aussi dur de dire oui parce qu'il y a des contraintes financières derrière. On se doute bien que Star Wars, c'est des contraintes techniques pour nous, des contraintes de droit, de respect. Enfin, il y a énormément de choses, mais c'est quelque chose, oui, de on refuse pas quoi. Oui, Star Wars, en plus, après, il faut pas en faire trop, mais il faut faire quelque chose de propre, de beau et puis qui plaise aux joueurs surtout. Le magazine que vous avez là, vous pouvez nous en parler ? Alors, oui. C'est, pour nous, c'est Narlaisienne, c'est un magazine de 96 pages qui sont, je vous montre, hop, il y a un bon tiers de Star Wars parce que c'était l'actualité du moment, on l'a sorti pour le TGS de novembre, juste avant la sortie du film. Star Wars, alors ce magazine, avant on en faisait un, on a essayé d'en faire un tous les trimestres, plus petit, beaucoup plus simple. Et puis on s'est rendu compte que c'était énormément d'énergie et de temps. Et ce qui nous manque dans l'entreprise, c'est ça, c'est le temps et les moyens humains, parce qu'on est toujours en perpétuelle course après le temps. Et donc là, on essaye d'en faire un qui présente une partie de notre gamme. C'est des choix éditoriaux au dernier moment. C'est bon, il y a l'actualité du moment, ce qui va sortir dans les 2 mois qui suivent, et puis les points forts. Bon, voilà. Mais c'est un travail de très très longue haleine. Ça paraît pas comme ça, mais parce qu'il faut tout penser. Ce n'est pas que un catalogue. D'abord, on n'a pas de prix. C'est un catalogue gratuit. Enfin, c'est un catalogue gratuit qu'on met à la disposition du public dans les salons et à la disposition des magasins en France pour que les gens sachent de quoi il s'agit. Parce que, comme sur des salons comme celui-ci, on se rend compte que les gens connaissent un ou deux de nos jeux, mais ne savent pas du tout ce qu'on fait à côté. Et comme je disais tout à l'heure, on est un des plus gros éditeurs en termes de volume. Donc, puis après, on a des locomotives, des machines de course qui font que les gens commencent à découvrir, mais on ne peut pas se permettre de mettre un catalogue comme ça dans chaque boîte de jeu, parce que d'abord ça coûte cher et puis ça prend de la place et du poids quoi. Voilà, c'est bon, là l'année dernière, voilà, ça va, le réveil de la force, on pouvait difficilement passer outre. Quand le magazine a été conçu, on n'avait pas la possibilité de mettre de visuel qui soit en relation avec le film, parce qu'il a fallu le faire valider. Et bien entendu, vous en êtes rendu compte, tout était très 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 contrôlé. Nous, j'ai eu la chance, moi, de travailler sur un produit en amont, mais on n'avait pas le droit d'en parler.
ni d'avoir de visuel, donc c'est pour ça qu'on a ça. Les seuls visuels autorisés sur voilà, c'était la boîte de base, mais parce qu'elle avait été annoncée bien en amont. Et comment vous voyez le futur pour votre entreprise ? Alors, on rentre dans un point un peu particulier. Bien, voire même très très bien. Et il y aura une annonce qui sera faite dans une convention américaine qui s'appelle la Gen Con pour les, voilà, sur le devenir de notre entité. Oui, c'est surprenant que ça puisse paraître, ça va être annoncé certainement là-bas. Non, ça se passe bien, bah, notre catalogue est plein. Moi, j'ai encore analysé l'autre jour un peu tout ce qu'on a en production. C'est pléthorique, on dira. On a de quoi satisfaire tout le monde. Et on renforce nos liens outre-Atlantique. On renforce nos liens nationaux avec le plus gros distributeur qui est Asmodée, qui est un partenaire important pour nous. Parce qu'ils sont aussi propriétaires de notre partenaire américain. Donc non, ça se passe bien. Il y a plein de projets, plein, trop presque, je dirais. Mais comme je le dis souvent, mais c'est la réalité. Pour moi, c'est un peu tous les jours Noël, parce qu'il y a tous les jours des nouveaux jeux, puis des projets dans tous les sens. Oui. Là, je suis content parce que j'ai pu venir ici. Mais peut-être qu'à l'avenir, ça va être un petit peu plus compliqué de se déplacer sur des salons comme ça. Mais oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça va. On se retrouvera en novembre. Alors, oui. Edge, si. Normalement, il y aura un stand Edge en novembre. À titre personnel, c'est moins sûr. Parce que l'actualité fait que je suis pas sûr du tout d'être là, mais pas forcément dans le même rôle, quoi. On dira ça comme ça. Mais oui, on sera présent en novembre. On sera pas présent seul. On sera présent parce que avec d'autres éditeurs qu'on aime inviter sur le TGS, c'était déjà le cas. Bon, après il y a Asmodée qui est aussi distributeur, mais qui est aussi éditeur à travers ses filiales. L'année dernière, on avait Sans Détour, on avait Black Book Edition. L'année d'avant, il y avait Matago. Cette année, donc, il y avait Asmodée avec les différents studios. Oui, on sera présent parce que moi, quand j'ai fait la découverte du TGS, grâce à une association qui, à l'époque, était présente, c'était Hype Media, ils sont venus. J'ai découvert le TGS. Je suis pas véritablement, alors j'utilise le terme, mais c'est absolument pas péjoratif dans ma bouche. Je suis pas issu de la culture geek. Je suis un gros joueur. J'aime ça. J'y apprécie, mais j'ai jamais été vraiment. Vous me verrez difficilement en cosplay. Je suis fan. J'adore. J'aime l'univers. Chez moi, c'est rempli de BD, de jeux, de trucs comme ça. Mais et quand la première fois je suis arrivé sur le TG, j'ai fait waouh. Donc bon. 6 mois après, on était sur le premier, puis on a grossi. Bah, l'entreprise a évolué en même temps que la taille de notre stand a évolué. Voilà. Donc oui, si je déconnais, je dirais on va prendre un hall en décembre, en novembre, mais déjà 900 mètres carrés, c'est beaucoup à gérer. Et puis il faut pas non plus faire du n'importe quoi, que ce soit démesuré. Il faut que les animateurs puissent s'y retrouver. Déjà l'année dernière, c'était correct, quoi. On en était un petit peu partout. Mais bon, oui, on y sera. Avec en plus encore d'autres nouveautés, comme d'habitude. Ben on a hâte alors. Oui, moi aussi. Enfin, pour eux, parce qu'ils vont travailler. Non, on a plein de jeux qui sortent. La grande difficulté qu'on peut avoir, nous, c'est que je peux vous parler de ce qu'il va y avoir dans les 3 ou 4 mois à venir. Ça représente vraiment une somme assez importante de jeux. Mais à l'heure d'aujourd'hui, enfin à l'heure là, actuellement, je suis presque incapable de vous dire 50% de ce qui va être mis en vente ou à disposition en novembre ou en décembre pendant les fêtes, parce que on est toujours dans une réaction. Si on suit l'actualité du jeu, on a beaucoup de nos partenaires qui font ce qu'on appelle du financement participatif, le crowdfunding, via des plateformes qui sont Kickstarter, Ulule ou d'autres. Et ce qui fait que
des gens viennent nous contacter et nous disent « Bon, bah, nous, on a levé tant de fonds pour la version anglaise. Est-ce que vous voulez travailler avec nous sur la version française, la version espagnole, puis d'autres maintenant ?» Et ce qui fait que j'ai des informations sur certains jeux dont on ne peut malheureusement pas toujours parler. Mais et puis il y en a d'autres qu'on ne connaît pas, parce qu'on découvre tous les jours des jeux... voilà, c'est quand je disais tout à l'heure Noël, c'est ça, c'est parce que c'est un éternel recommencement, un éternel renouveau. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Ben, y a pas de quoi, merci à vous.